Salut à toi, futur businessman, c'est Mamak. J'espère que tu m'entends, surtout parce qu'il y a énormément de vent. Là, je suis au bord de la plage. Vous pouvez voir, là, comme vous l'avez constaté, hein. Oh, là, je suis en train de marcher un petit peu dans l'eau. J'espère que vous m'entendez. Là, je suis en train de refaire cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez donc, de la vidéo, de l'exercice que je vous avais fait pour pouvoir booster votre confiance en vous. J'avais fait un exercice sur Rouen, sur les quais de Rouen. Tout simplement marcher avec énormément de monde. Et là, je suis en train de réexpérimenter en fait cet exercice, mais cette fois à la plage. Vous voyez bien, là, je suis vraiment à la plage. Il y a énormément de monde. Et bah, tout simplement, je recommence. Mais là, comparé à la première fois, j'ai pas hésité quoi. J'ai sorti mon téléphone et tac, ça y est. Alors qu'il y a peut-être même 10 fois plus de monde que sur les quais, tu vois, que sur un quai à Rouen. Et là, on est au bord de la plage, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Et j'ai eu aucun mal à sortir mon téléphone et à vous faire cette vidéo. J'en suis sûr qu'il y a encore des milliers de personnes qui me regardent, mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'au final, qu'est-ce qui va m'empêcher en fait de faire ce contenu? Qu'est-ce qui va m'empêcher de pouvoir faire cette vidéo, vous montrer que c'est possible, vous montrer que il ne faut pas avoir peur si vous voulez, si vous hésitez par exemple à prendre des vidéos en extérieur. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui prennent des vidéos à l'intérieur, mais parfois les décors, c'est pas trop ça. Et par rapport à ce qu'ils disent, c'est pas trop ça. Moi je parle de liberté, je parle de confiance, je parle de leadership. Et tout ça, je vous le montre aussi avec un cadre. Que j'essaye de partir justement dans des cadres pour vous montrer que c'est possible, que c'est faisable, qu'il y a moyen d'avoir confiance en soi. Et tout simplement avec des petits exercices simples. Vous voyez, j'ai commencé dans la ville de Rouen, sur les quais. Aujourd'hui, je suis au bord de la plage avec beaucoup plus de monde et j'ai aucun de mal à le faire. Peut-être que des fois, dans d'autres petites villes ou dans d'autres petits endroits où vous sentez mal à vous prendre en vidéo en extérieur, et faites cet exercice, expérimentez-le, faites-le le plus souvent possible, essayez de vous filmer dehors, même si parfois vous avez un décor qui n'est pas très joli ou quoi que ce soit, essayez quand même de vous filmer dehors, peut-être, je sais pas, dans une rue où il y a très peu de passages pour commencer, et ensuite vous allez continuer, vous allez faire de plus en plus avec de plus en plus de monde, dans des endroits où il y a de plus en plus de monde. Attention. Vous allez faire avec des endroits où il y a de plus en plus de monde et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous n'allez même pas pouvoir réfléchir à A plus B, que vous allez commencer à sortir votre téléphone, dire votre contenu, partager avec les autres. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire. Partager dans cette vidéo, c'est vraiment réexplorer l'exercice de se filmer en extérieur avec beaucoup de monde. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'oseront pas le faire, mais moi, je te mets au défi de le faire. Je te mets au défi de le faire et de me dire dans les commentaires ou de même de m'envoyer une petite vidéo sur Instagram, quelque chose comme ça si tu veux, de montrer que c'est possible, de montrer que tu peux prendre ton téléphone, prendre ta caméra, sortir dehors et te prendre en vidéo. Qu'il y ait une personne dehors, deux personnes, trois personnes ou 10 000 personnes à l'extérieur, c'est pas grave. Dis-toi que tu dois foncer dans tout ce que tu fais. Bye bye les amis.